Tu m'étonnes que acheter un cheval, tu vas plus vite. Alors, cette porte est scellée, je vais pouvoir ouvrir pour le moment. Dommage parce qu'il faudrait que je trouve un endroit pour la nuit. Un endroit pour la nuitée. C'était un coq ou j'ai... Non, j'ai rêvé. J'ai pris un rocher pour un coq. Tout va bien. D'accord, il n'y a rien de particulier là. Oh. Particulier. Ah, je crois être de la mort qui touche. Merde, je me suis encaissé dans le décor. Ah, mon cheval. Il cherche à bouter, je sais pas quoi. Ah, on a un creux? Ah, je vais t'emmener dans les champs là. T'as trouvé une occasion d'aller blouter dans un coin. Ah, il y a encore un cochon.
dire, j'ai quelle masse? Oui, je suis quasiment plein là, Eo. Parce que je pars à l'aventure, mais je serais peut-être bien de rentrer en ville, moi. Surtout que j'ai plus de regain de magie. J'ai plus de regain de magie. Ah, la classe. Je peux faire de l'alchimie tout en étant un cheval. Ça, c'est vraiment la classe. C'est drôle. Et merde. Je peux rien faire. Non, je vais m'arrêter là et je vais revenir en ville. Je vais revenir en ville parce que sinon je vais pas m'en sortir. Je suis à l'abri. C'est un mouton. Ah, mouton bélier là. Si je peux me permettre d'aller me pioter chez les hommes d'église. Il y a un lit qui est libre. Et ben je ne doute pas non pas un petit dodo de 4 heures. Merci. Ça fait plaisir. Mais du coup, ah mais il est plus à son bureau. Bah, ils sont tous partis ou alors ils sont à la messe. Ils sont peut-être à l'église, ils sont à une messe. Bon, je sais pas les écuries là-bas. Mais...
ramené ici sain et sauf. Ah bah voilà. Votre priorité pour le moment est de trouver Martin et de le ramener ici. Le matin, ils sont à la messe. De l'assistance, pourquoi pas. Je n'ai pas grand-chose ici, mais vous pourrez prendre ce que vous voudrez dans le coffre qui se trouve dans la salle de lecture. Le prieur Maborel et le frère Pinaire pourront aussi vous être utiles. Vous devriez leur en parler si vous ne l'avez pas déjà fait. Ouais, je... Ne perdez pas de temps. Vous devez trouver Martin avant la nuit. Comment ça va ? Ouais, ça va. Je sais que vous effectuez une mission importante pour les lames. Si vous avez besoin d'un cheval, prenez le mien dans les étables du prieuré. Alors, j'apprécie. Mais j'aurais aimé avoir cette info plus tôt. Très bien, vous êtes bien préparé. Mais si vous avez un jour besoin d'un cheval, mon offre tient toujours. Merci bien, Père. Allez avec la bénédiction de Talos. N'échouez pas. Bienvenue, citoyen. Je suis le frère Pinaire, et voici le prieuré de Waynon. C'est un monastère. Je peux vous aider ? Bah... Ah oui, tu vas me donner des infos. En assistance, tu pourrais me faire quoi en aide ? Tenez, ceci pourra vous être utile. C'est l'un des livres que j'ai gardé après ma formation avec les lames. Oh ? Vous allez au-devant du danger. Joffre ne vous en a pas dit plus, mais sachez que nous serons avec vous en prière. Oh, c'est gentil, ça, merci. L'ordre de Talos. Ce n'est pas un fait très connu, mais de nombreux frères de l'ordre de Talos sont aussi membres des lames. Des chapitres de l'ordre comme le prieuré de Waynon offrent un refuge aux lames en voyage, en plus des services religieux publics. Les membres des lames trop âgés pour le service actif rejoignent souvent l'ordre comme frères laïcs. Nous sommes honorés d'héberger ici le grand maître Joffre, ou le frère Joffre, comme il préfère qu'on l'appelle. Mais justement, le frère Joffre. S'il n'est pas au prieuré, vous le trouverez sans doute en train de prier dans la chapelle. Et les lames, l'ordre des lames. Les lames sont très proches de l'ordre de Talos. Nous servons tous deux Talos, bien sûr. Et bon nombre de nos frères sont d'anciennes lames. Moi-même... Je suivais une formation pour devenir une lame, lorsque j'ai été appelé à servir Talos d'une autre manière. Eh bien. Prenez soin de vous. Oui, oui, vous aussi. Oh, pardon, excusez-moi, Perlo. Oh, regain de santé. Trop bien. Trop bien ce que je viens de faire. Ouais, non, bof, c'est pas... Je vais reprendre le cheval et je vais aller en ville, je pense. Se mange pas là. Ah si, je me dis bien qu'elle se mangeait la poutre en sortant.
Bonjour. Bonjour. Je croyais que c'était une étable. Pourquoi elle bêche, elle ratisse? Ah non, c'est là pour les chevaux. D'accord. D'ailleurs, j'ai confiance en mon cheval, je vais le mettre sur le côté. Pas besoin de le mettre dans l'entour. Oh oui, il est bien là-bas, mon cheval. Bonjour, vous. Salutations. Excusez-moi, je suis de service. Oui, mais on peut parler un peu, non? Des rumeurs? La guilde des guerriers recrute de nouveau. Ce n'est pas un mauvais moyen de gagner de l'argent, à condition d'avoir suffisamment de cran. Au revoir. Ah, puis il y a l'autre avec sa potion de Nienroot. J'aille le voir. Il a dû finir le boulot. Ah non, c'est pas ici. Merde, je confonds. Par contre, elle, j'aime bien. Aucun maître. Oui. Des rumeurs? Vous savez, je crois bien que le mouton de Corolle est le meilleur de tout l'Empire. C'est du bon mouton. Ça se tient. Ah, je pensais que je pouvais valider comme ça, mais non. Connaissez-vous Dharma? C'est une jeune argonienne très appréciée en ville. Elle a disparu et sa mère se fait un sang d'encre. Dharma a disparu. Eh bien. Il n'y a que des articles de qualité ici. Que puis-je vous offrir? Vision nocturne, c'est bien. Ben voilà. C'est un plaisir de vous compter parmi mes clients. J'adore. Vous aussi. Ah merde, je me suis surchargé. Oh là 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 là. On va faire de la magie du démon. Merde là. Pourquoi je prenais la carotte, moi? Parce que regain de fatigue. Ah, vision nocturne. Oh, ben voilà. Non, carotte. Oh, la vision nocturne. Oh.
mais là, ça correspond pas à ce que je veux. Oui, j'allais dire, je suis plus léger là parce que, vu les morceaux que j'ai fait en alchimie, l'inverse m'a choqué. Ouh, un bon commerçant, lui, je crois. C'est une madame argonienne en plus. Je ne veux pas m'imposer, mais j'espère que vous pourrez m'aider. Ma fille Dharma a disparu et je ne sais pas quoi faire. Dis-moi tout. C'est une fille merveilleuse, et elle a un cœur d'or. Elle se fait des amis de tous ceux qu'elle rencontre. Oui, alors, ça va pas m'aider dans mes recherches. C'est exact. Ma fille Dharma n'est jamais rentrée de Coupe-Terre. Je suis terrifiée à l'idée qu'il lui soit arrivé quelque chose. Pouvez-vous faire quelque chose? Ah oui, je vais aller voir. Oui, je vais aller voir. Je ne sais pas comment vous remercier de votre gentillesse. Elle était censée assurer la livraison des tirs à Mosline à Coupe-Terre. Alors c'est là que j'irai en premier. Si cela peut vous aider, elle était avec Blossom, son cheval, si vous préférez. Dharma adore cet animal et ne l'abandonnerait pour rien au monde. C'est où Coupe-Terre? Parce que je connais pas du tout. C'est un village isolé, au sud de Corol. Nous vendons des marchandises à la commerçante de ce village. Ce sont de petits volumes, mais elles payent bien. Normalement, c'est moi qui assure les livraisons. Mais je ne me sentais pas bien. Alors Dharma a insisté pour le faire. J'espère qu'il ne lui est rien arrivé. Ouais. Je vais aller voir ça. Encore plus d'infos avant que j'y aille. Enfin, on va commercer aussi. Vous l'avez trouvée? Elle est en sécurité? Non, mais c'est pas ça que j'ai dit. Mais non. Je m'inquiète beaucoup pour elle. Trouvez-la, je vous en prie. Oui, je vais la chercher. Qu'est-ce que tu sais au sujet du père Jove? Un vieux prêtre portant ce nom vient de temps à autre. Il vit au sud-ouest de la ville, sur la route noire, au prieuré de Waynon. Bon, commerçons. Puis-je vous montrer certaines de mes marchandises? Yeah. Alors, qu'est-ce que je vais te vendre? Qu'est-ce que je vais te vendre? Je m'interroge. Ah! C'est un prix équitable. Yeah. Ah ben non, j'ai de quoi marcher sur l'eau, donc je vais vendre la potion. L'hydromel, je m'en fous. Je sais même pas pourquoi j'ai l'hydromel sur moi. Oui, j'en ai plus besoin de la lumière. Si, ça je garde. Ça j'en ai, donc je te les vends. Guérison de maladie, j'ai. Regain de fatigue, je te les vends. Bon, regain de santé, je vais garder. Alors, la fatigue. Je fais toujours. La fatigue. Vision nocturne, j'en ai plus besoin. Excellente transaction. Alors, il y en a qui font du bruit. Non, je vais aller voir, ça m'intrigue, excusez-moi.
Excusez-moi. Après j'ai gagné des bouquins là, punaise. Neuf pots de loup, waouh. Ah oui, non mais là ça va me soulager là. C'était génial. Au revoir, je vais chercher pour ta fille. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Non, oui. Attends, c'est où? On est où? Ah, c'est pas si loin que ça. Coupe-terre. Ah ouais, mais je connaissais pas du tout là. J'apprends qu'il y a un village en fait. Putain, mais c'est pas sur ma carte. Et à mon avis, il doit exister une carte beaucoup plus complète. C'est juste trop bizarre. Attends. Oui. Le temps et space. Attends, voilà. Je vais faire réparer mon armure. C'est quoi ça? Ah, c'est des livres. Non. Il est où le forgeron? Y a pas de forgeron? Il peut y avoir un forgeron. Ah merde, il pleut. Oh, c'est bien ma veine. Y a pas de forgeron? Attends, je me mets à l'abri là. C'est un temps de merde. Là, de toute façon, il y a la guilde des... Dans cette guilde, il y a forcément un forgeron qui va réparer mes affaires pour pas grand chose. Bonjour. Non, je m'en fous des rumeurs. Oh! Mais tout le monde les connaît, ces deux-là. Est-ce qu'un forge? Non. Une rumeur? Merveilleux. J'aimerais un forgeron. Non merci. Des rumeurs. À plus. Au revoir. Merde.
Pas un forgeron. Gros clin d'œil au précédent opus qui est Morrowind, là, en parlant du Neverarin. C'est le héros qu'on incarne dans l'opus précédent. Bon, je devine qu'il n'y a pas de forgeron, que ma théorie était fausse, et je le regrette. Oh, chiotte, je vais réparer moi-même mon armure. Je vais aller voir mes copains de la guilde des mages. Bonjour. Bref. Ah, je m'améliore. Excellent. Dagon acier. Magnifique. Voilà, j'ai bien bossé là. Oh, mais quelles horribles créatures! Bon, allez, je vais retrouver mon cheval, moi. Je vais aller guerroyer en tenue d'armure. La guilde des guerriers recrutes. Allez, 1, 2, 3, 4. Je rêve. Ah si, j'ai une arme. C'est juste que je la. Ouais, bon. Ah, j'ai cru que je m'étais complètement désarmé. De toute façon, j'allais dire s'il y a un forgeron, c'est raté. Là. Petit petit. Il y aurait pas de route pour le dit village? C'est bizarre ça. C'est bizarre. Non, apparemment il y aurait pas de. Ah, peut-être là. Peut-être serait-ce cette voie. Ah non, je m'éloigne là. On est où là? C'est un champ ça, c'est. Oui, la ferme de deal. Mais non, j'ai repris un chemin officiel. Mais visiblement, il n'y a pas de chemin officieux. Attends, c'est bizarre. Faut couper à travers champs pour ce village? Ou c'est pas un peu plus loin là? J'arrive pas à lire le relief. C'est beau. Sérieusement, là, il y a un truc que je pige pas. Non, 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 je suis obligé de couper. Qu'est-ce qu'un village s'est installé Je comprends pas. Je comprends pas pourquoi il n'y a pas de jonction et de route officielle.
pourquoi couper à travers bois, c'est dangereux. Bon, là, je suis en plein jour, donc je peux y aller, mais... Magnifique cet arbre, superbe. Je suis à l'opposé de là où je dois aller. Je suis dans la Moïse. C'est beau, c'est superbe. Ouais, on va contourner la colline. Et ben heureusement qu'il fait beau et qu'on y voit. Alors, attends, là je suis parti pour me casser la figure. Doucement le cheval. La maison de Brindo. Au milieu de nulle part. Ok. Waouh. Oh, mais il y a du monde. Ok. Ah, je connais pas du tout. Sérieux les gens? Là où j'étais nunuche en allant à la guilde des mages, c'est que j'ai pas pensé à acheter des potions de mana. C'est donc ce village. Pourquoi il n'y a pas de route? Bon, le village est en partie défoncé, d'accord. Mais il mérite d'être cartographié et... Là, je comprends pas, là, je... Ah oui, tu m'étonnes que j'ai trouvé coupe terre. Attends. Il n'y a pas de chemin. Ah, je trouve ça dingue. Là en bas, il y a rien fort. Là, il y a une trappe, tu sais pas pourquoi. Et là, il y a un mec. Ok, tout va bien. Pourquoi ai-je envie de commencer par la trappe? Pourquoi? Des cavernes? Waouh! Bonjour. Ben, pourquoi vous êtes si hostile?
C'est un village de sociopathes ou quoi? Oui, elle est. Ouh là là, elle fait un visage de. Ouh! Mais si. Oh merde. Mais je trouvais ça bien, moi. J'espère bien. Une fois que t'as compris le truc. Je la corromps un peu. Ben voilà. Voilà. Là, elle est moins fâchée. Bon, elle parle pas plus pour autant, mais. Voilà. Là, elle dit la même chose, mais avec le sourire. Elle est pas hargneuse. Bon, Yule. Eh ben, dis donc. Tiens. Le vendeur, c'est peut-être quelque chose. Je vais momentanément mettre ma tenue de diplomate, on va dire. Quel bonjour! Bien les vannes. Je vous accorde.
n'aime pas quand on s'entend. Allez, au moins 50%. Merde, j'aurais dû cliquer sur se vanter. Merde. Attends. J'arrive pas à aller à 50 ans avec. J'arrive pas. Ah, tant mieux. C'était tir sur mon doigt. Ah, le con. Eh ben, tant mieux. On y croit. Oui! Allez, parle-moi de coupe terre. Ah là là. Et la fameuse Damar, qu'est-ce qu'il y a de Damar? Ça me fait penser aux chemises de corps thermolactiles. Bref, qu'est-ce qui est devenu la fille argonienne? Quoi? Il y a quelque chose qui cloche là. Ah oui! Ah oui, elle est un peu pauvre. Elle est un petit peu beaucoup pauvre. Du coup, je sais même pas si je vends quoi que ce soit, non. J'avais pas l'intention de vendre des trucs. Mais bon. La Bible des profonds. Ah. Cela m'a été donné par le chef des profonds. Il m'a enseigné sa langue et ses runes. Voici le savoir ancestral de ce peuple que nous suivons dorénavant et pour toujours. Paraphé en présence de 12 témoins. Irslav Mousseline. Là, je peux pas lire. Bon. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est un zouk dehors, je suis désolé. Je reprends les aventures, je ne comprends pas ce qui se passe. Il y a de l'animation devant chez moi, c'est pas grave, on continue. Alors.
garde, je présume. Bonjour, Coupter. Oui, c'est bien. Oh et oh, vous prie d'être aimable. Ah ouais, ok, j'ai tout à gagner là. Alors il n'aime pas qu'on l'admire. Oui, merci. Oui, merci, c'est ce que je me dis aussi. Si, si, si. Merci bien. On est passé de 0 à 60% de coopération, on va dire. Bon, coupe terre. Sérieux? Dharma? Il m'a l'air louche. Alors, Mosline affirme qu'il n'a jamais entendu parler de Dharma. Il dit qu'aucune jeune argonienne n'est séjournée dans son auberge récemment. Je pense qu'il ment. Je vais devoir poursuivre mes recherches en ville pour essayer de découvrir l'endroit où se trouve Dharma. Mais j'irais bien crocheter là, à la caverne de Strucmuche là. Oh putain, mais on fait peur. Bah tiens. Ça fait beaucoup de... Ah mais là il me voit. Oh mais quoi sert cette trappe? J'avais mis mon cheval là. Alors, j'ai trouvé une trappe qui semble mener aux cavernes situées sous coupe terre. Il faudrait que j'entre dans ces cavernes pour retrouver Dharma. Ouais, c'est ce que je craignais.
Ça, c'est bon. Peut-être pas besoin de la vision nocturne. Ouais, j'ai une bouclier au pire. Ouais, il y a un feu de camp. Quoi, mort? Ah, ils m'ont eu. Allez, je veux bien avoir de quoi recharger là. Mais oui. Voilà, ils sont 4 et oh, on va se calmer là. Ah non, ils sont 50 là. Mais je suis mort. Ils sont 50. Bon, alors j'ai 6 ennemis à neutraliser et pas des moindres. Est-ce que je peux y aller en ninja? Je vais progresser tout doucement.
Je te vois. Ouf. Pour le moment, je m'en sors bien. Si je les fais un par un, c'est tranquille. Ami ou ennemi? Ah merde, il m'a démoli. Il a rien vu ce con. Oh merde! J'ai du cran, voilà ce que j'ai. Faut pas qu'il y ait des persos, sinon ça rame. Chez qui là? D'accord. Mon avis, il doit plus rester grand monde.
mais ça ne dit pas où est la demoiselle, hein. La jeune Argonienne, elle est où? Ils sont tous morts? Non. Ah si. Apparemment, ils seraient tous morts. Voilà. Ok. D'accord. Wow. Ah ouais, l'auberge. En fait, ils ont tous un accès aux cavernes. Là, on est d'accord, j'y suis allé. Eh oui. Oh, la voilà la malheureuse. Bah alors. Oui, je vais vous laisser sortir. Pourquoi t'es allé en cet endroit paumé? Sérieux? D'accord, il me serait arrivé probablement la même chose si j'avais commandé une chambre. Waouh! Et ta pauvre maman qui s'inquiète pour toi? Oui, je sais, on s'y est rencontré. Mais je dois avoir la clé. J'ai sauvé ma Dharma des griffes des immondes créatures qui infestent Coupe Terre. À présent, il faut fuir et retourner voir Sinus à Corolle. Porte ouverte avec la clé de Coupe Terre. Bah oui, je l'ai pris sur le brillant. Oui, mais moi, je veux dormir. Tu veilles sur moi, je fais dodo. Ah merde, impossible de dormir pendant une intrusion. Bah allez, j'ai envie de dire suite au prochain épisode. Mais c'était drôle. Ah mon dieu. Dermé, raconte-moi une histoire.